Et hop, coucou, salut Lounès, comment vas-tu? Bon bah ouais, bah ça va effectivement complètement à l'arrache ce soir, mais... J'ai longtemps hésité, hein. Je me suis dit, allez, je stream pas, 18h, enfin 19h, je m'étais dit, ah, ça fait un peu tôt, puis en fait finalement quand même quoi. Ouais, bon, je suis fatiguée, puis j'ai eu une journée de merde, et j'ai une journée de merde qui m'attend demain, mais je me suis dit, allez, plutôt que de rester déprimée dans mon coin, on va streamer un peu. Au pire, je me ferai un stream court, et puis voilà. Je regarde juste ce que tu disais, les OST de Slime Rancher. Ouais, tout le monde met les OST de Slime Rancher sur YouTube et zéro copyright. Pour l'instant. Mais tu vois, ça c'est le problème du truc. C'est ce qui est arrivé sur Twitch. Et jusqu'à présent, tout le monde faisait, il n'y a jamais eu de soucis. Puis en 2020, bam, copyright, DMCA, strike et compagnie. Et là, tout le monde était là. Ah bon? Mais comment? Alors qu'en fait, oui, passer n'importe quelle musique de film ou de compositeur, bah vrai, ouais, c'est censé être sous copyright. Mais personne n'y pensait. Donc je me méfie un petit peu. C'est... Voilà, après, je crois que les musiques de jeu, quand tu joues au jeu, en général, ça va. Ça va. C'est... C'est vrai qu'elle était sympa cette musique, du coup je sais plus ce que c'était, c'était la précédente, je ne sais pas de quoi il s'agissait. Faudra que je regarde. Tu peux faire un rap, bah, tu peux faire du rap dans le chat si tu veux, il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas de problème. Alors ouais, par contre Slime Rancher je l'ai installé mais je l'ai pas encore lancé, j'ai rien configuré. Je sais même pas si ça se joue clavier souris ou si je peux le jouer à la manette. Parce que comme c'est du FPS, enfin il y a une petite partie FPS, je ne sais pas. Je sais que le FPS à la manette c'est pas terrible. Les mics pour mes frères et mes sœurs. Ce slam, je le dédicace en l'honneur de ceux qui ont déjà eu un coup de cœur. Parfois, t'as vu, l'amour, ça fait peur. Mais je me dis toujours, Ziva, YOLO, exprimer ses sentiments, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et si jamais tu te sens solo, oublie pas que la base, c'est les poteaux. Ah, c'est sympa. C'est Twitch friendly, on est d'accord. C'est. Y'a pas de jurons, c'est magique! Ah, je discutais cette histoire de jurons l'autre fois avec des potes, et c'est pour ça, du coup. Ok, bah ouais, je vais essayer Slime Rancher, mais alors... C'est vraiment Twitch friendly, on est d'accord. On est bien d'accord. Bah écoute, merci d'avoir partagé, c'était... Je sens pas. Alors je ne sais pas si moi, à mon avis, je l'ai lu comme de la merde, hein, parce que le rap, c'est pas du tout mon truc à la base. Mais c'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Je sais plus, je voulais dire un truc, je ne sais plus ce que c'était. Oui, alors Slime Rancher, je ne sais toujours pas... Pourquoi il était dans ma wishlist sur Steam? Il y avait une raison. Hein. Il y a toujours une raison. Hein. C'est je mets pas des trucs n'importe comment. Donc c'est que ça devait être soit le type de jeu, soit les graphismes ou quelque chose dedans qui m'a interpellée. Peut-être exploration, hein, la partie exploration. Peut-être. Ou alors y a le côté ça y est, voilà, une histoire. Plus ou moins, je veux pas dire une ferme à slime, mais enfin bon, un truc un peu gestion, donc peut-être que c'était pour ça. Bah je vais découvrir ça. Alors j'espère juste. Donc effectivement il y aura des musiques, c'est pas comme Planet Zoo, j'espère, où les musiques elles s'arrêtent une fois sur deux et tu sais pas pourquoi, que je l'ai désactivé, tout ça. Donc bah écoute. Ça passe du travail, du copyright, du rap, du jeu, c'est du n'importe quoi. Ça s'appelle Bonjour, je suis pas en forme. Je raconte des trucs histoire de me mettre un petit peu en train pour le stream. Et puis c'est toujours mieux que de pas streamer d'abord. Mais c'est vrai que c'est du décousu ce soir. Non, non, mais j'avais. Ça s'appelle Naofai, exactement. Ah, mais là tu vois, tu as un aperçu de comment fonctionne mon cerveau. Ça passe de A à Z, on passe à E, à R, à P, et puis. Et après, on se demande pourquoi j'ai aucune concentration. Parce que. Je sais pas pourquoi de ces trucs sont pas trop joyeux. Le travail et le copyright. Non, mais en vrai, j'aime beaucoup ma boîte. J'aime beaucoup mes collègues. Les managers. Mon manager et les managers en général sont plutôt carrément sympas. Ils sont plus dans le côté, tu vois, on n'a pas de. On nous demande pas de porter des costumes cravates. Ils sont pas, ils exigent pas, genre, tu sais, il y a des boulots où, genre, t'as une fille, bah, il faut que tu portes des chaussures à talons, t'es un mec, faut que tu portes une cravate, des trucs comme ça. Ils sont pas dans cette optique-là. La boîte, franchement, est vraiment, vraiment sympa pour y bosser.
Le seul problème, c'est que je suis dans le support client et forcément, bah, quand tu as du travail avec la relation clientèle, eh bah, tu te tapes les clients et c'est pas toujours facile, quoi. Alors que... Parce qu'il y a tout de suite la relation verticale, c'est-à-dire du pognon, c'est j'ai dépensé des sous pour acheter ce que vous m'avez conseillé, donc vous me devez que ça marche, même si j'ai aucune idée de ce qui se passe, parce que des fois il y a des problèmes qui sont vraiment mystérieux, faut dire ce qu'il y a. Puis d'autres fois les clients font de la merde aussi avec ce qu'on leur conseille, mais bon, passons. Et puis là, en ce moment, c'est bouclage du trimestre, donc il y a tous les commerciaux qui veulent fourguer autant de matos que possible aux clients. Et puis dès qu'il y a un client qui vient en disant « Ouais, ben, le truc que vous m'avez vendu il y a 6 mois, en fait, j'ai des soucis, et puis ça dure un petit peu. » Et tout de suite, les gars du service commercial, ils sont là, c'est « Ouais, on va vous aider. » Et ils nous contactent et ils font « Alors, tel client, c'est super, c'est d'une importance critique, c'est hyper important, faut absolument que tu lui que tu ailles résoudre son problème avant demain matin, des trucs comme ça. » Sauf que t'as 15 personnes qui viennent te voir pour te dire que c'est critique et super important. Et du coup, bah, c'est beaucoup, beaucoup de boulot et c'est assez... En plus, il fait 35 degrés, donc... Coucou Shadow Wonder, comment vas-tu? Je viens faire un coucou furtif pour dire que je suis toujours vivant, mais je peux pas rester à cause du peu de connexion que j'ai. Ouais, t'avais prévenu que tu serais moins présent pour l'été. C'est pas grave, t'inquiète. Merci de passer, en tout cas. Pareil, en plus, je ne sais même pas si le live sera très très long parce que je suis hyper fatiguée. Mais j'ai préféré faire un live plutôt que de déprimer dans mon coin. Donc voilà. Oui, je sais, c'est pas toujours très gai, mais bon. Les streamers sont des êtres humains, ils ont des sentiments également, ils ont un petit cœur et puis tout ça. Alors qu'il a juste un petit souci. Non, parfois c'est quand même des gros soucis. Mais c'est des gros soucis, ça fait un mois qu'ils les ont et qu'ils ont pas ouvert de tickets. Et tout d'un coup, un mois plus tard, maintenant, c'est super critique et important. Et là, j'ai envie de dire, si c'était tellement critique et important, pourquoi vous n'avez pas ouvert un ticket il y a 3 semaines? Mais bon, je suis juste obligée de sourire et de faire « Oui, pas de problème. On va vous régler ça. » Bah bon. On va plus y penser. Hein. Jusqu'à demain matin 8h, j'ai pas besoin de m'en occuper, donc on va faire en sorte de plus y penser. Je vais voir où j'ai foutu le jeu. J'ai raccourci, donc c'est que je l'ai installé. Bon, écoutez, je propose qu'on lance ça tout doucement. Petit Slime Rancher. J'ai passé en scène de live. Il l'a détecté, c'est magique. Les dessins sont pipou, faut dire ce qu'il y a. Les streamers sont des humains. Tu es sûr, vu que Sarbush sur HK qui enchaîne de live de 25h, je prends pas ça pour un humain. Deux lives de 25 heures, comment ils font? Alors attendez, je vais juste baisser un peu le son. Ouais, je me disais aussi que c'était vraiment fort. Est-ce que c'est mieux comme ça? Parce que là, je l'entends pas des masses dans mon casque. Gamepad, interagir. Ouais, c'est mieux. Ok, super. Je vais essayer de jouer au gamepad parce que c'est quand même ce que je fais le plus souvent. Si ça devient un problème pour la partie FPS, je passerai clavier souris. Donc, m'en voulez pas si je fais de la merde. Hein. Voilà. Alors, c'est quoi cette résolution de bourron? Ah, peut-être mieux en 1920, en plein écran, tout ça. Ah bah voilà, c'est un peu plus joli quand même. Ouh, alors. Alors juste regarde à gauche de la maison quand tu apparais dans le jeu. Ok. Alors attends, je vais juste voir... Ah non, Slime Rancher 2, ça c'est pas encore sorti. Gérer le DLC, je crois pas que j'ai de DLC, si. Je crois pas. Il me semble que j'ai vraiment que le jeu de base. Elle a l'air sympa la fifi là. Bah écoutez, on va faire une nouvelle partie. Écoutez, ça stream. Icône de sauvegarde, on va prendre celui-là parce que c'est pipou. À votre rythme paisible, sans la menace des slimes, goutrons. Je vais prendre en mode aventure. Ça va bientôt arriver sur 2, Slime Rancher. Ouais, ça j'avais vu. Et je pensais que c'était cette année, en fait non. C'est l'an prochain.
On va rester en aventure. Et puis, on verra. C'est... Je pense pas que ça sera aussi tendu du slip que Hollow Knight. Ouh. À 1000 années-lumière de la Terre, sur une planète nommée Far Far West, Béatrix Lebeau entame sa première journée en tant qu'éleveuse de slime. Alors, ça c'est pour bouger, ça c'est la caméra, sauter, L3, c'est quoi L3? Non. Aspirer comme les pros, d'accord. Je cherche juste le L3 pour sprinter, j'ai pas compris ce que c'était, c'est pas grave. Alors... Ouais, je pense que la partie FPS à voir avec, si avec les joysticks, ça le fera. Tu parles de ça? Bon, alors j'espère que ma gestion de la caméra va pas vous filer la gerbe. Ok. Alors, il y a une petite... donc, aspirer, c'est L2. Ok. Il y a une petite icône d'enveloppe en haut à gauche, mais je sais pas comment cliquer dessus parce que j'ai pas de curseur. Alors, c'est quoi? Moi, là, j'ai 250. Je sais pas du tout ce que c'est, par contre. D'accord. Alors ça, c'est quoi? C'est juste pour voir les prix ou est-ce que je peux également acheter des trucs? Je pense que si je peux acheter, c'est là. D'accord, donc ça c'est le marché, ok. Je pense que je vais être très nulle à ce truc parce que j'ai aucune idée de quoi faire. Bah pour l'instant je vais découvrir un petit peu. Étoile mail, d'accord, c'est ça. Ah, la société 7D aimerait vous souhaiter la bienvenue à Far Far West. Bienvenue. Et témoigner de son soutien envers vos audacieuses aventures d'éleveuse de slime. Soutien témoigné. Oh, c'est très corporate, ça. Nous aimerions également vous demander d'être prudente lors de vos premiers jours dans l'Ouest. Nous vous déconseillons de voyager la nuit avant de vous être familiarisé avec votre environnement. Enfin, si vous souhaitez obtenir des outils supplémentaires pour votre Aspi Pack ou des objets pour rendre votre élevage de slime plus facile, la société 7D sera ravie de vous les fournir via le magasin qui se trouve juste à l'extérieur de votre maison. Ok, ouais, donc c'était bien le magasin. Alors, maintenant... Bah, le truc, en fait, par contre, c'est que je sais pas du tout quoi faire. Hein. Alors là, faut que j'aspire des slimes. Je sais pas. Ok. J'imagine que c'est ça. J'ai aspiré un slime, tiré des slimes à travers une barrière dans le corral de votre ranch. Pourquoi faire? D'accord, donc là j'ai un slime rose. Et ça c'est pour tirer, ok. Alors les trucs avec un prix à gauche, c'est qu'en fait si tu lances ça dans un bocal, ça donne de l'argent. Ouais, d'accord. Ça c'est quoi? Je peux aspirer aussi? Ok. j'ai aspiré des carottes, c'est bien. Alors, qu'est-ce qui se passe si je regarde ça? Non, j'ai tiré une carotte. J'ai aspiré une carotte, c'est trop cool. Et je peux avoir un réservoir, donc je vais pas aspirer qu'un slime. Si tu lances ça dans un bocal, ça te donne de l'argent. Par contre, je sais pas absolument pas comment ça se récupère. Non, je veux pas tirer, je veux aspirer. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Il faut que je les jette là-dedans. D'accord, alors si j'ai bien compris, si je trouve ces trucs-là, je dois les mettre là-dedans et ça me filera du pognon.
je sais pas du tout si c'est ça. Il y a pas de tuto en fait pour l'instant, donc ah, il y a une étoile. Je pense que ça veut me dire que je dois aller là-bas. Je vais juste voir mon courrier. Le but du jeu, c'est de construire ta ferme et trouver plein de slime et de les ramener dans la ferme. C'est comme les Pokémon, mais c'est des slimes. Oh, purée, j'ai les yeux qui crament déjà. Ah bah, ça va pas être long soir. Alors, ça fait quoi de dormir pendant un an? Ah bah oui, parce que forcément, 1000 années-lumière, tout ça. C'est bien le voyage supraluminique, hein, parce que un an pour faire 1000 années-lumière, c'est carrément bon rendement. Alors, ça fait quoi de dormir pendant un an? Tu as rêvé? Je n'imagine même pas ce que ça fait. La 7Z te met dans une capsule et éteint les lumières pendant tout ce temps, c'est fou. Comment est Far Far West? Tu as commencé à explorer? L'air est-il aussi pur qu'on le dit? J'imagine que ça doit être très beau. Je pose sûrement trop de questions. J'imagine que tu dois avoir pas mal de boulot avec le ranch. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il t'appartient maintenant. Je ferais mieux de te laisser et de faire court. Bonne chance. S'il y a une personne qui peut s'en sortir là-bas, c'est bien toi. Je parviendrai pas là-dessus, Kasi, mais... ou Casey, je crois que... comment tu prononces, mais... ok, je vais aller là-bas. Puisqu'il me disait que je pouvais tirer un slime à travers les trucs du... à travers les barrières. Donc ça, c'est pour les mettre en cage. Je pense. Aliment savoureux acquis. Ouais, ça, c'est la carotte. Attention au goudron, tu comprendras plus tard. Déjà, de toute façon, je vais pas sortir de nuit, parce que vu que je sais pas ce que je fais, ben... on va se méfier. Ça, c'est quoi? Réservoir d'eau. Ouais, d'accord, de toute façon, j'ai pas assez de pognon. Donc ça, c'est pour améliorer, je vais pas appeler ça mon arme, mon outil. Là, il se passe quoi? Ah, j'ai pas accès à ce truc. Zone d'échange hors ligne. Ah. Il doit y avoir quelque chose à faire ici plus tard. Ouais, c'est ça, mon espèce d'aspi pack. Bah écoute, on va aller chercher des slimes. Hein. C'était quoi? C'était... j'ai déjà oublié ce que c'est pour aspirer. C'est L2. Ouais, effectivement... je comprends pourquoi tout le monde me dit que les FPS, ça se joue à la souris, parce que c'est pas super évident comme ça à la... oh, je vais y arriver, à la manette. Mais j'imagine que ça doit être faisable. Bonsoir, Foxy. Foxy, bonsoir. Comment vas-tu? Alors, j'essaye Slime Rancher. Je sais pas si tu connais. Moi, bon, je suis en train de découvrir. Hein, je sais absolument pas ce que je fais. Alors, il faut que j'aille mettre des slimes dans le ranch, là-dedans. C'était où qu'ils étaient? C'était là. Et c'est quoi, leur filer une carotte? Ok. Battez-vous! Ah, ça c'est pas un des machins que je peux vendre? Un plort? Parce que les slimes mangent, ils fabriquent des plorts. D'accord! Tiens, bouffe. Bouffe la carotte. Je viens, mais je vois un FPS à la manette et là je vais me tirer une balle. Mais ouais, en vrai, je sais pas comment jouer quoi. Le truc que je peux vendre, c'est leur caca. D'accord. En vrai, le truc, c'est que je sais pas jouer au clavier parce que j'ai beaucoup de mal avec le mapping A, D, S, machin et tout. Donc, je sais pas du tout. J'ai beaucoup de mal avec ça. Tu connais, tu as passé beaucoup de temps, d'accord. Je peux essayer au clavier si vous voulez, mais alors il faut que je remappe les trucs. Attendez. Parce que déjà, WASD, ça c'est du mapping QWERTY, donc c'est de la merde. Voilà. Sinon, je vais utiliser les flèches, hein, ce sera plus simple. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Je peux essayer au clavier, ça s'apprend. Ouais, c'est juste que je fais jamais de FPS, mais genre vraiment jamais. C'est... ah, alors, il y a un truc noir là-bas, il y a une poule. Du coup, je sais plus ce que c'est pour aspirer. Zut. Attendez. Aspirer, clic droit, tirer, clic gauche, d'accord. Ok. Le truc
boîte noire, c'est un coq. Ah oui, bah ouais. Ok. Ça y est, comment je navigue? Ça, c'est pour sauter. Désolée, hein, du coup, faut que je regarde encore un petit peu les... Interagir, mode gadget, radar... je pense que c'est ça. D'accord. Donc si je veux mon coq, je peux le mettre là-dedans. J'ai pas une poule. J'ai des poules. Si tu passes qu'un live sur ça, ça sert à rien. Enfin, plusieurs lives, faut bien comprendre. Ouais, je m'en... effectivement, ça me surprend pas. Je vais quand même essayer de faire le déplacement au clavier. Mais attends, il m'a pas mis ce que je voulais. Attendez. Alors, avant j'ai mis Z, gauche j'ai mis Q. Ok, ça c'est moi qui ai fait de la merde. Je fais beaucoup de merde. Voilà, ça sera un petit peu mieux. Et donc là, je peux tirer mes crottes. J'ai pas oublié d'en récupérer d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Bah, bien sûr que si. Allez. Si je leur file des poules, il se passe quoi? Ils vont la bouffer aussi? Ah, ils ont refait un caca, ok. Je sais pas si c'était forcément une bonne idée de leur filer une poule, hein, mais... Il y a peut-être mieux à faire avec les poules. Et donc on avait dit, il faut que je tire ça là-dedans. Et ça me file de la thune, c'est ça? Ok. C'est tout pour les bases. Ouais, faut aller explorer, mais on m'a dit qu'il faut pas que je sorte de nuit. Fais-moi un poulailler et mets tes poulets ton coq dedans. Bah, faut que je trouve comment faire un poulailler. Parce que y a rien qui m'explique comment faire un poulailler. Ça, c'est quoi? Ça, c'est des futurs ranchs? Ah, il y a un caca. De toute façon, vous vous doutez bien que je vais me faire buter dans à peu près 30 secondes. Oh, c'est joli le sol. Comme quand t'as fait l'enclos, mais tu mets poulailler. Ouais, mais comment ça je mets poulailler? Parce que l'enclos, j'ai rien fait, il était déjà là. J'ai juste suivi la petite étoile et... Au pilier, il achète un poulet. Ça? C'est ça le pilier? Comment j'interagis avec ce truc, moi? Appuyer sur quoi? Sur E? C'est pas ça, ranch, poulailler... Ouais... Ah non, ça c'est pas pour acheter, c'est pour se renseigner. Ok, d'accord. Coucou Noah, comment vas-tu? Truc vert... Mais... C'est moi qui ai balancé un truc, là? Ah ouais. Donc ça, je fais E? Non, ça marche pas. C'est pas super clair. À côté de mon premier enclos. Ça? Non, ça c'est hors ligne. Celui-là, alors? Non, ça c'est pour mon arme. À côté, les petits trucs verts. Quoi, ça? D'accord. On va faire ça comme ça. Et du coup, je fous des poules dedans pour que ça fasse des petits. Hein. Voilà. Par contre, on m'a dit qu'il faut pas que je reste dehors la nuit. Qu'est-ce qu'il fout? Est-ce qu'il fait nuit? Il fait... Ouais, je sais pas. On va dire que oui. Ah oui, non, mais vous allez pleurer beaucoup, hein.
Vous allez pleurer absolument beaucoup. Je vous ai prévenu sur Discord, j'ai une journée de merde. J'ai les yeux qui brûlent déjà. Hein. Il est 19h pour moi, je vous rappelle. J'ai les yeux qui brûlent tellement je suis crevée. Donc, ça va pas être jouasse. Hein. Et pourquoi il était dehors le coq ? Mais quoi ? Mais t'es con toi ? J'ai pas compris là, ils m'ont bouffé mes poules ou je rêve ? Ça sert à quoi de les mettre dans un enclos s'ils se barrent ? Bon, bah ils vont finir de bouffer les poules, c'est pas grave. Mur haut. D'accord, j'ai pas le pognon, donc ils vont bouffer mes poules. C'est pas grave. De toute façon, j'étais partie du principe que j'allais faire de la merde. Mais j'ai un DLC, moi ? Non, je crois pas. Hein. Oh non. Là, j'ai plus rien. Ouais, il m'a bouffé mes poules. Je vous avais dit que ça allait être nul. Enfin, que moi, j'allais être nul, évidemment. Ok. Et du coup, je pense que j'ai plus de poules. C'est quoi, ça? Ah non, c'est le décor. Je croyais que j'avais un donut géant qui était apparu, mais en fait, non. Ouais, bah écoutez, je vais voir où aller. Il faut que je prenne l'habitude de jouer avec les touches à gauche. Peut-être aller vendre mes plortes d'abord. Hein. Comme ça me fera de la place là-dedans. Et puis un peu de sous. Ma poule, je vais la garder, hein? Parce que si je la mets dans l'enclos, elle va se faire bouffer. Est-ce qu'il y a une carte sur ce truc? Maintenant que j'y pense. Oui, j'aspire tout, n'importe quoi, je sais. Le caca bleu vaut 54, pardon, quoi? Ah mais pour ça je pense qu'il me faut des slimes bleus, c'est ça? Pour avoir du caca bleu, parce que les slimes roses ils font du caca rose. Donc. Tu verras si je peux vendre les slimes, je suis pas sûre. Mais au pire, je leur file des carottes. Attends, 54 quoi? Je peux rester appuyé. Ah, attendez, il y a quoi? Il y a un H là. C'est quoi? Hobson Twigger, éleveur, explorateur, ancien propriétaire du ranch. J'étais éleveur pendant plus d'années que je ne peux m'en rappeler. Et comme il ne restait en moi qu'une ultime aventure, je suis parti la vivre. Ok. D'accord, donc lui, il va me laisser son journal intime à droite, à gauche. Ça, c'est quoi? Pogo fruit. Ok. Ah, tu voulais voir... Alors, je vais vous annoncer un truc. Je ne sais pas où je suis. Je crois que le ranch, c'est par là-bas. C'est ça, hein, c'est chez moi, je crois. Ah non, mais de toute façon, c'est simple. S'il n'y a pas une mini-carte, c'est mort. Hein. S'il n'y a pas de mini-carte, je vais me perdre. J'ai pas de sens de orientation. Vous voulez quoi, voir le caca bleu? Ça? 54, celui-là. Ouais. Mais il y a ça qui est à 54? Attendez.
ça comme ça. Parce que j'ai quand même plus tendance à faire ça que ça. Bah écoute, on va nourrir les slimes. 54 pour un caca, c'est énorme, on est d'accord. Allez, finis-moi du caca, il me faut 350 balles pour refaire un enclos pour mi-poule. Enfin, pour monter la... Oui, mais attendez, du coup, je peux pas le charger. Bah, faut que je vire toutes mes carottes et mes pots aux fruits. Voilà, bouffer, comme ça je peux stocker mon votre caca. Mais non! Oh, tu manges pas? Mais il a pas de visage! Ah non, il m'a fait peur. Il m'a fait peur, le slime. Tu veux que je vois le caca doré? Ah, au truc des ventes? Bah attends, je vais aller vendre mes plortes. Le caca doré, celui-là 238. Écoutez, hein, moi je dis s'il y a des gens qui sont prêts à me filer 238 balles pour de la merde. Je vais pas me plaindre, hein. 156. Bah en fait, je vais farmer ça, je vais farmer des cacas. J'essaye de viser le caca. Le caca et pas le slime, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il y a des cacas qui traînent? Pourquoi ils bouffent pas la carotte là? Mangez votre carotte. Ok, c'est pas grave. C'est un caca d'exception. On se comprend. Les slime rose, tu vas très vite apprendre à les détester. Possible. Pour l'instant, je ne sais pas ce que je fais, donc... J'explore, je ramasse des choses, je vends des trucs, et je me perds. C'est par là que j'étais sortie? Non, c'était à l'autre bout. Hein. Ah, il y a un autre truc ici. La grotte. Ah d'accord, je peux pas y aller parce que j'ai pas le pognon. Ok. Je peux regarder les prix de tous les cacas, ouais, si vous voulez, il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est tout poupi hein, pour l'instant le jeu. 46, 43, 52, 54. Alors pour l'instant, j'ai accès qu'au caca de base, hein, on est d'accord. Pour l'instant, tu ramasses la merde de ton chien et ça te rapporte de la thune, c'est ça. Et honnêtement, si les propriétaires de chiens, chaque fois qu'ils ramassent la merde de leur chien, ils touchaient ne serait-ce que 1 euro, je suis sûre qu'il n'y aurait pas une seule merde de chien dans la rue. Mais sûr, quoi. Ouais, le mieux, c'est quand même le caca doré. Hein. Ouais, quand même. Oh, pardon. Je vous avais dit que j'étais fatiguée. Hein. Ouais, effectivement, pas de Hollow Knight ce soir, parce que le cerveau, il suit pas. Mais c'est quand même grave, hein, quand j'en arrive à des trucs, à dire que ouais, Dead Cells, en fait, c'est super chill comme jeu. Comparé à Hollow Knight. C'est quoi ça? C'est des fruits? C'est des pots de fruits! On va en prendre d'autres. Ah, on va reprendre une poule. Donc on avait dit 350. Le caca de prisme. Bah je sais pas, on avance dans l'aventure, je sais pas. Pour l'instant, il faut d'abord que je récupère de la thune, non? Parce que sinon, je peux rien faire avec ma poule. Et comme j'ai que 4 emplacements, ben il faut que je puisse foutre mes poules ailleurs. Hein. 30 minutes du jeu, 97%, c'est toi qui nourris tes slimes. Ouais, c'est ça. C'est par là.
Sérieusement, il n'y a pas une carte dans ce bus. Une mini-carte, je demande pas beaucoup de choses. Petite carte juste en haut de l'écran, là, ce serait cool. Entretuez-vous, déchirez-vous, mangez-vous. Non, c'est pas ça. Oh, il a fait ping. Il y a encore des caca là. Est-ce que j'ai pas trop de slime rose pour l'instant? Ça me donne envie de continuer ma partie que j'avais laissée, de l'optimiser un max. Bah écoute, hein, fais-toi plaisir. Un jour peut-être, il n'y a pas de mini-carte pour l'instant, ce que j'en sais. Bon, tant pis. Bah je vais me perdre. Je vais me perdre beaucoup. Alors j'avais eu un mail, ou est-ce que ça peut peut-être attendre le soir? Ouais, ça va attendre. Bah oui, les mureaux, mais il faut 350 balles. Donc il faut que j'aille trouver des carottes et des fruits pour nourrir mes slimes, pour qu'ils fassent des caca. Il y en a tellement que t'en as jamais assez au début. Où est-ce qu'il y avait des carottes encore? Non, il y a des champignons, c'est quoi ça? La capsule au trésor est verrouillée. Oh, tristesse. Ah, je peux pas remonter. Ok. Ah si. On est d'accord qu'à part... c'est pour après. Ouais. Bon. Je suis contente, ils me font des caca, mais je voudrais trouver à bouffer aussi. Je pense qu'il faudra évidemment que je fasse aussi un potager. Qu'est-ce que je fais? Bon, ça au moins, les caca, je pense qu'ils vont m'en faire assez souvent tout seul, donc... On va récupérer ça là. Est-ce que j'en ai pas déjà assez des slimes dans ma ferme? Le potager, ouais. Et donc il faut, mais il faut vraiment d'abord que je fasse les murs hauts, on est d'accord, parce que sinon ils vont, j'imagine qu'ils vont tous aller bouffer dans le potager. Hein. Vu ce qu'ils m'ont fait jusqu'à maintenant. Je viens de marcher sur des slimes, je rêve. Pom pom. Mur haut d'abord, parce qu'ils se barrent sinon. Ouais, c'est ça, ils sont allés me bouffer mon... Ils m'ont bouffé mon coq. J'étais triste. Du coup, maintenant, j'ai pas de coq, j'ai que des poules. Tant pis. Ah, voilà. 386. Maintenant, je peux faire des murs. Oh. Donc, on est d'accord, c'est sur l'enclos des slimes. Acquérir, voilà. Normalement, donc, maintenant, je peux mettre... Pardon. Je vais y arriver. Je peux mettre mes poules. Sinon ils se font la courte échelle. Ouais, bah donc là il y en a peut-être trop déjà. Hein. J'en ai combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, j'en ai 8. On va dire une dizaine maximum. Là, si tu veux dire, je peux encore en mettre 2 ou 3, j'en ai 8. Ah non, 9. Allez, on en remet un et après on met les autres en liberté. Je peux rien, je peux pas les vendre. Les slime roses. Ce que je mettais au début. Ouais, j'en ai une dizaine là. Il y en a quoi là-bas? Il y en a 6, 10, 11. Jette-les dans la mer. Non, c'est pas du tout violent comme tu relâches les slimes et les poules. Me demandez pas pourquoi Automode a censuré ça, mais passons. Non, je peux pas vendre les slimes. Non. Mais attends, si je laisse en liberté, ils vont pas aller bouffer mes poules.
va peut-être pas les mettre en liberté dans le ranch. Hein. J'ai pris un autre bot pour Twitter. Oui, oui, Aywind il m'a recommandé ça parce que... Alors apparemment avec Mi6 c'est devenu payant mais genre en janvier. Et ça continuait quand même de fonctionner, je ne sais pas pourquoi. Et puis maintenant ça fonctionne plus. Donc j'ai mis autre chose. J'étais dans la mer, il le mérite. Ah, attendez, je vais juste regarder ça. Je suis éleveuse depuis Tora West, éleveuse depuis longtemps sur Far Far West, à la tête du comité d'accueil de ta zone d'échange locale. C'est un réseau d'éleveurs comme toi qui cherchent à échanger ce qu'ils ont contre ce dont ils ont besoin. Des slimes, des plortes, de la nourriture, etc. Tout ce que tu dois faire, c'est aller voir la borne de la zone d'échange tous les jours et remplir ta part du contrat sous 24 heures. Quand d'autres éleveurs s'ajouteront à ton réseau, tu recevras un joyeux message de leur part. N'hésite pas à vérifier ta boîte mail. Ça, c'est le truc qui ne marchait pas, donc. Ça change de Hollow Knight et de Dead Cells. Oui, c'est... Après, en vrai, Hollow Knight et Dead Cells, c'est des jeux que je faisais jamais. Hein. C'est moi où j'ai les yeux déjà explosés. J'ai l'impression que j'ai d'avoir les yeux rouges, c'est horrible. On sent nos traumatismes sur les slimes roses. Du coup. Du tout. Ben, alors ça, par contre, est-ce que ça va s'allumer aujourd'hui ou demain? Ok. Marf. Mais non. Il est où le slime? Voilà. Ouais. Les slimes roses et les autres slimes, ça me traumatise. Ouais. Bah en fait, il y a peut-être rien encore. Elle veut quoi? Des carottes? Des fruits? Du caca? C'est du caca que tu veux, hein, je peux t'en ramener. Ça devrait pas trop tarder. Donc j'imagine qu'il faut que je le balance là-dedans. Ouais. Mais alors, elle veut tout ça sous 24 heures, hein. Les rats des booms, c'est eux, moi. Quoi? Faut tout remplir. Ouais, mais il faut tout remplir en une journée, parce que j'ai aucune idée où trouver ces machins, moi. On ira voir demain parce que... J'ai 15 minutes hier là, c'est pas assez. Ça c'est ce qu'elle me donne. J'ai rien compris en fait. Ça c'est ce que... Moi je viens de lui filer deux plortes, c'est bien ça non qu'elle veut. Donc il faut que je lui file ça et elle me file ça, ok. Dans ce sens ça va mieux. J'ai déjà oublié ce qu'il faut. Et c'était quoi? C'est 4 carottes hein? Alors 6 carottes et 6 fruits machin. Ok. Misa Misa 63, coucou, bienvenue à toi. Je crois que je t'ai jamais vu ici, donc bienvenue à toi. Moi c'est la première fois où je fais ce jeu, hein. Je sais absolument pas ce que je fais. Mis à part que je ramasse des slimes et du caca. Parce que après tout, jouer avec son caca c'est bien. Le truc à gauche c'est ce que tu dois lui donner, le truc à droite c'est la récompense. Donc il me faut encore des espèces de fruits à ceux-là. Mais non! Non! J'ai pas bouffé ma carotte toi. Je vais me mettre là-dessus parce que visiblement... Je pense qu'il faut que j'attende qu'il pousse. Coucou Azayla! Comment ça va? Bah écoute... Ouais non ils ont pas poussé, on est d'accord. Écoute, je découvre le jeu. Je sais pas du tout où je vais. Bon, ils ont pas poussé non plus. Je ne sais pas comment je vais rentrer chez moi. Il y a sûrement d'autres arbres, ouais. Oh, French Bunny qui nous raide. Mais bonjour à toi French Bunny. Les slimes m'ont fait peur. Coucou Faust, merci à toi aussi pour le raid. C'est le raid en double, dis donc. Hein.
déjà hier, et là aujourd'hui je suis gâtée, c'est trop bien. Bah merci en tout cas, coucou Rafalonza, donc bonjour à tous. Je ne sais pas si vous connaissez Slime Rancher, j'ai pas encore fait de raccourci pour le jeu, pour la description, parce que bah, j'ai vraiment essayé ça aujourd'hui seulement. Et enfin je veux dire, j'ai commencé aujourd'hui seulement, c'est ça que je veux dire, ça va pas dire que j'en ferai jamais, on est d'accord. Oh, des slimes bleus! Il y a des slimes bleus là-bas. Et ça change de Dead Cells, on est d'accord. Là j'avais besoin d'un truc super cheap. Ah! C'est quoi les gros là-bas? Pourquoi il n'y a pas de carte? Je sais plus où aller. Alors là, il y a une carte, mais ça me fait un peu une belle jambe parce que je sais pas où elle range. C'est des nouveaux slimes, moi. Ouais. Alors, Rafalonza, donc c'est sur une planète très très loin d'ici et en fait, il faut que j'élève des slimes. Alors c'est bien, j'ai une carte, le problème c'est que je sais pas où je suis par rapport à mon ranch, donc je sais pas comment rentrer. Bon. Bon, bah voilà. C'est pas par là, non je suis jamais passée par là, on est d'accord. Ça doit être par là. J'irai les récupérer une autre fois parce que je veux d'abord... Ah, j'ai déjà oublié qu'est-ce qu'il me fallait. Je sais plus, des fruits. Il me faut des fruits. Des bottes. Je voudrais juste que les fruits poussent. Le visuel est très très sympa. Bonsoir Django, comment ça va chez toi? Oui, c'est à Slime Rancher. Bah, ils sont pas encore assez poussés. Écoutez, je vais déjà aller ramener les carottes. Peut-être que d'ici là, les fruits auront poussé. En fait, j'aurais pas dû faire ça maintenant, je pense que je l'ai un peu fait pour rien. Est-ce que dans un quart d'heure, ils auront poussé? Là est la question. Ok. Donc maintenant, il me faut encore 6 fruits et après, j'aurai une récompense. Écoute, c'est assez sympa, mais je t'avoue que je sais pas trop ce que je fais. Mais ça, c'est d'habitude dans les jeux. Quand je découvre, je sais pas ce que je fais et je vais à l'aventure. Je voudrais juste que ces trucs ils poussent là. Poussez les petits fruits. Ouais, il n'y a pas de souci. Bah ouais, parce qu'en plus vous étiez en stream depuis plusieurs heures, donc vous n'étiez pas mangé. Donc bon appétit. Et puis bah merci pour rester en l'heure parce que c'est cool quand même. Voilà. J'espère que vous êtes bien amusés. Vous étiez quoi sur du Resident Evil, je crois. Manger. C'est le cas de tout le monde dans ce jeu. Ouais, ben, ah oui, c'est vrai que je peux créer le potager parce que maintenant j'aurais mis des murs plus haut. Il y a un arbre là-haut, mais j'ai l'impression que les fruits ils ont pas encore poussé, donc faut que j'arrête d'utiliser les flèches. Ouais, ils ont pas assez poussé. Là par contre, ils ont poussé. Voilà. Dites-moi que c'était bien 4 qu'il fallait, comme ça je peux les amener et après je fais le potager. J'espère que c'était bien ça. Pogo fruit 4, ouais, c'est ça. Non, il en faut 6! Zut! Et ça donne faim de viande, exactement. Je sais plus lequel c'était, c'était pas le 8. Je sais plus sur lequel vous étiez, du coup. J'ai pas eu l'occasion de passer, je l'ai vu tout à l'heure sur Twitch, mais... Pourquoi ça pousse pas? Je vais essayer de trouver l'autre arbre. Il y en avait effectivement un autre avant. Non, ils ont pas poussé. Ah si. Mais non. Je me plante à chaque fois, décidément. C'est là-bas ? Je crois que c'est là-bas. Pile à temps. Ah, tu veux dire pile à temps pour les pour remplir la quête? Ah non. Bon, bon c'est un peu. Tu pourrais me laisser un peu plus que 15 minutes, ce serait gentil, mais passons.
une étude à venir. Mais j'ai même pas fini. Ouais, mais non, je sais même pas où trouver ça, moi. Attendez, là. Ils sont gentils, mais non. Faut que j'aille faire un potager, moi. Je sais plus ce que je faisais. Que les fruits ont poussé quand ils arrivaient, ils ont poussé à ce moment. D'accord, ouais. Ah, Django, ouais, c'est un FPS, plus ou moins, j'ai l'impression. Ouais, mais c'est un peu pourri, par contre, ce système, là, 15 minutes. Moi, je sais déjà pas où trouver ça, donc... Les emails, ils commencent à me saouler, déjà. Je suis occupée, arrêtez de m'envoyer des mails dans la journée. Je vais faire exactement comme je fais IRL, c'est-à-dire je vais les ignorer. Voilà, ça marche très bien, IRL. Je réponds pas au téléphone, je réponds pas à mes mails pendant la journée. Ça marche très très bien. Et je vous assure, qu'est-ce que vous avez la paix quand vous ignorez vos notifications. Bah écoutez, alors j'avais vu des bleus, je crois que c'était par là-bas. Alors, les slime roses avec des pics sur la tête, fais leur des câlins, ça va te redonner de la vie. Ah, parce que je perds de la vie en plus. Ah. En tout cas, moi, c'est des bleus qu'il me faut, donc... Ah, j'ai plus de... Allez, cassez-vous. Slime roche... Mais non, j'y arrive pas. Où est-ce qu'il est? Où est-ce que je l'ai mis? Ah, il est là-bas. Je confonds encore toujours le clic de le gauche et le droit, hein, c'est magique. Ouais, il y a un truc qui brille là-haut, je ne sais pas ce que c'est. Il n'y en a pas d'autres, des slimes rocheux? Et de la poule. Bah ben voilà, là il y a des coques, mais ils vont pas durer longtemps, je pense. Il y avait un truc là, c'est quoi? C'est de l'eau, ouais, mais j'en fais quoi? Je dois l'aspirer? Je vais aller vendre mes trucs. Ce sera... on est d'accord que l'autre mission, là, qui prend une demi-heure, de toute façon, je laisse tomber, parce que je sais pas où aller. Donc, il ira se faire voir. Ouais, j'avais pas envie de faire des câlins particulièrement, j'aurais juste marché dessus. Mais... C'est pas grave, de toute façon si je meurs, je meurs. Hein. Ce sera ni la première ni la dernière fois que ça m'arrive dans un jeu. Pour avoir l'eau, c'est une amélioration, je le dis vu que tu l'as vu. D'accord, je m'en rappelle pas. Je m'en rappelle genre pas du tout. Quoi. Allez, faites-moi des beaux caca. Au moins vous allez servir à quelque chose. Des beaux caca, ouais. Ils mangent leur caca ou je rêve? Non, pas manger leur caca quand même. Il y a encore un caca? Non. Ah, plus de caca. Connaître ton attrait pour les pics. Ouais, et puis pour les caca aussi, visiblement, du coup. Je me découvre une passion pour les caca. Il faut que je fasse un potager. Je vais le mettre avec les poules. Je pense que là, ça pourrait être pas mal. Jardin. 250, fait, bien sûr. Non, mais attendez, j'avais une mission facile. Je pourrais pas juste avoir nouveau des fruits, des carottes et des caca à leur donner. Ce serait vachement mieux, parce que là... Je peux pas annuler. Non. Plusieurs espèces... Juste pas plusieurs espèces des slimes en un ranch. Ouais. Ah, tu veux dire je peux que avoir du coup des slime roses et pas autre chose? Ah, ben c'est pas intéressant du coup. Enfin, ce serait mieux d'avoir plusieurs espèces. Hein. Ça sert à quoi d'avoir qu'une seule? Je vais aller chercher des carottes et des caca. C'est pas grave.
toute façon, il me faut 250 balles. Voilà. C'est barré, lui? C'est pas vrai. Bon, écoutez, vous êtes trop nombreux. Voilà. Ils m'ont bouffé mes poules. Hein. Ah, pas plusieurs dans le même enclos. Ah oui, non, mais ça, c'est logique. Ça, oui, effectivement, ok, c'est logique. Moi, je croyais que tu voulais dire qu'un enclos avec un type de slime. Parce que là, ça aurait été un peu... un peu bizarre. Bon, je vais les relâcher dans la nature. Ce jeu, il donne trop l'impression que lors du développement, les devs étaient là-bas pour faire quelque chose de mignon. Alors, mettez-moi tout plein de trucs mignons. C'est quoi, ça? Ah, slime phosphorescent. Ceux-là, ils sont que le soir. Ok, bon. Bon, capturé, hein. Pas des caca? Ah, c'est quoi, ça? Non, des largos. C'est des slimes larches. Quoi? Appuyer pour les manières sur l'embout ou tirer pour les envoyer dans l'air. Ok. Y a pas encore des slimes phosphorescents là-bas? C'est pas être parce qu'il me fallait des slimes phosphorescents, on est d'accord. Mais... comme je pourrais pas compléter le troisième type... parce que je sais pas où c'est... Une amélioration son enclos pour les protéger du soleil, ok. De toute façon, ils vont crever, on est d'accord. Je vais les mettre là. Non! Je sais pas ce que j'ai mis dedans. Ah, c'était une carotte. Ok. Si je remplis pas tout, est-ce que je gagne quand même un peu de pognon ou pas du tout? Coucou Chocopirate! Comment ça va chez toi? Tu viens me voir ramasser des caca et les vendre? C'est magique! Du coup, j'ai les slimes phosphorescents qui traînent et qui m'embêtent. Ok, voilà, il me fait un beau caca. Il en reste un, le tue pas. Non, je vais le garder pour l'instant, mais je sais pas trop quoi en faire. Parce qu'il me faut 250 balles pour le potager, donc... Bon, écoutez, on va aller lire le courrier, vu que ça ping tout à l'heure. Oh, cactus de compagnie. Ah non, 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 pitié, m'achetez pas des merdes dont il faut m'occuper. J'ai déjà la moitié des plantes à la maison qui ont crevé parce que je sais pas m'en occuper, donc non, pas des cactus. Alors, la seule chose qui restait dans ton magasin est... Quoi? Je t'ai acheté un cactus en revenant à la maison, c'était la seule chose qui restait dans ton magasin, il était tout seul. Alors... Ah d'accord, non, c'est elle qui a acheté un cactus. Ah, le business du caca ne connaît pas la crise. Eh, la merde, on en produit toujours. Le prix de la grotte, c'était 1750. 1800, un truc comme ça. C'est pas ma priorité. Enfin, je pense qu'a priori, c'est pas censé être ma priorité. Si j'arrive même pas à maintenir un cactus en vie, j'ai vraiment un problème. J'ai vraiment, moi, en vrai, j'ai vraiment laissé crever un cactus. Donc quand je vous dis que faut pas me confier des plantes, en fait, faut pas me confier des êtres vivants de façon générale, je déconne pas. Ah, ça c'est quoi? Toi t'es un éleveur de slime, tu m'as filé une mission à la con, donc tu vas te faire voir. Éleveur et slimologue, purée j'ai lu sismologue. Je m'intéresse beaucoup à la légion liquiforme avec laquelle nous partageons ce vaste pays alias les slimes, d'accord. Je comprends même pas ce que je lis. Mes études m'empêchent souvent de m'aventurer à l'extérieur et lorsqu'il me manque une espèce précise, j'utilise la zone d'échange. Je te récompenserai largement pour tes efforts. Ouais. Bon, il a perdu un violon, d'accord, je m'en fiche.
J'ai confié mon cactus à ma mère, il vit sa meilleure vie au soleil. Ah bah tant mieux, au moins il survit. T'as 1750, t'achètes la zone, mais c'est pas le potager qu'il faut que je fasse d'abord hein. De toute façon, 1750 à ce rythme-là... Bon, je vais plus à ce truc parce que pour l'instant, c'est pas terrible. Hein. Alors, le slime phosphorescent, il faut pas que je le sorte au soleil. Ça, je pourrais y mettre des slimes, mais tant que j'ai pas 500 balles pour mettre des clôtures hautes, c'est pas la peine. Je confie pas de plantes à ma mère, la seule que son mari lui a donnée, j'ai dû la garder pour qu'elle reste en vie. D'accord, ouais. Je comprends très bien cette situation. C'était où la grotte? C'était là? Non. Bon, ça s'est fermé aussi. 1795. Ouais, bah la grotte, c'était à peu près ça, quoi. Ouais, en vrai, il n'y a pas des masses d'endroits où je peux aller pour l'instant, donc on va aller par là. D'ici la fin de la soirée. Comme tu le sens, chill ce soir. Alors, ce soir, en fait, je sais pas ce que je fais. Dans le sens où j'ai une journée tellement crevante que j'ai les yeux qui brûlent et j'ai déjà plus de cerveau. Donc n'attendez pas grand chose de ma part. C'est pour ça que je fais pas du Hollow Knight ou un truc un petit peu plus stress. Non, je vais ramasser des caca pour les vendre. Je vais faire mon potager. Si jamais que t'es trop loin de ta ferme, s'il y a de l'eau, tombe dans l'eau, ça ira plus vite. Ok. Comme ça je me noie et je rentre, c'est ça. C'est une bonne idée. Mais non, mais je rentre chez moi, là, je sais plus où je... Quand je vous dis, je sais pas ce que je fais. C'est quoi, au fait, le principe du jeu? Ah bien, donc, tu as une petite jeune fille qui s'appelle Béatrice Lebeau, qui a émigré sur une planète à 1000 années-lumière pour récupérer un ranch où tu élèves des slimes. Donc, bah, les machins-là, quoi. Donc, il faut que je récupère des... voilà, des grosses boules mignonnes, exactement. Et les espèces de dés à 10 faces, là, qui traînent par terre, c'est leur caca. Il se passe quoi, là? Ah! Mais non! Il a bouffé le truc. Bon, tant pis. Il a bouffé le navet, ou je sais pas ce que c'était que je voulais. Betterave de cœur. Celle-là, je vais la garder pour le potager. Rendez-moi vos crottes. Rendez-moi les crottes. Élever des slabs en les lâchant en mode violente ton aspirateur. C'est ça. Avec le clic droit, je les aspire. Et puis après, je peux les relâcher avec le clic gauche. On m'a persuadé que c'était mieux de jouer au clavier. C'est quoi ça? Oh, c'est un poussin! Oh, c'est trop mignon! Je vais pas lui tirer dessus. Oh, il est mignon! Oh, il va se faire bouffer! Je suis sûre qu'il va se faire bouffer, donc... Va-t'en, petit poussin, va-t'en, retourne dans la nature. C'est comme un Stardew, mais avec des fraises Tagada. Ça a l'air d'être ça, ouais. Onde de choc, ok. Oh, du plaisir à lâcher des slime roses dans la mer. Les poussins se font pas manger, seulement les adultes. Ah, ça va, dans ce cas-là, je vais mettre des poussins dans le poulailler. Vous venez me faire des caca, là? C'est passé quoi là? Ah, c'est des œufs! C'était des œufs pour les slimes rocheux, ok! Donc je sais qu'il y a des poules et des coqs qui traînent là-bas, ça c'est bon. Non, il y a un caca bleu! Il y a un caca bleu! Bon, je vais relâcher le slime rocheux et puis je vais prendre le caca bleu. Hein. De toute façon, j'ai pas d'enclos pour l'instant. Et mon réservoir à caca est bientôt rempli. On est d'accord qu'il est bientôt rempli, je pense à 20. Hein. Bah écoutez, je vais aller vendre mes caca. Les bleus, ils étaient à 24, je crois. Hein. Il a mangé le caca d'un autre slime. Voilà ce qui s'est passé. Misa Misa, c'était par rapport à quoi ça de nouveau? J'oublie à peu près en 30 secondes ce que j'ai dit, hein, je précise.
Ici, c'est le stream de bonjour, j'ai pas de cerveau. Je pense que je me suis pris des coups. Je pourrais éviter de mourir, ce serait bien. En plus, ils rigolent. Un jour, je leur marcherai dessus. Je leur roulerai dessus et ils comprendront leur souffrance. Ah, le slime qui a grossi, ok. Alors par contre, rassurez-moi, dans le potager, je peux mettre différentes sortes de légumes sans qu'ils se bouffent, hein, on est d'accord. Sinon, ce serait bizarre. Très bien. Ouais, c'est très chill. C'est très très chill pour l'instant. Après, en même temps, je sors pas la nuit et je reste prudente. Mais ça, visiblement, les murs, ils sont pas assez hauts, hein. Ils m'ont quand même bouffé mes poules. Différentes sortes de légumes, ça passe. Et on avait dit les caca. Voilà, comme ça je peux faire mon potager. Et éventuellement un deuxième enclos. Ah non, non, non. Ah, attendez, je fais un potager ou je fais... Je fais un potager. Enfin, un jardin. Alors, tirer un fruit aux légumes pour faire pousser plus. Non. Dans le réceptacle. Le réceptacle, c'est ça. Je peux mettre une carotte, ça clé plein de carottes en genre 30 minutes. Ensuite, tu peux recommencer avec un autre fruit aux légumes. Ouais, ah, d'accord, ok. Donc, c'est pas tous à la fois. Mais je peux faire donc une série là de betteraves, ensuite une série de carottes et une série d'autres choses. Ok. Sauf que les cacas là, ils vont aller me les bouffer, je suis sûre. Ils ont l'air pas contents, je pense qu'ils ont faim. Attendez, je vais chercher des carottes. Ils ont l'air d'avoir faim, les pauvres. Non, je peux pas aller là. Ouais, j'irai voir le mail après. Faudrait qu'ils puissent sortir. Bah ouais, mais avant, ils sont sortis pour aller bouffer les poules. Malgré la clôture deux fois plus haute, donc je sais pas trop, en fait. Ou alors, est-ce qu'ils étaient juste trop nombreux, peut-être? Attendez, vous me dites d'acheter plein de choses, mais j'ai que 250 balles, hein. Faut que j'aille récupérer des caca bleus, d'abord. Donc, go les caca bleus! Et les carottes. Non, pas vous. Les caca bleus, c'est là-bas. Ah, d'accord, parce qu'ils étaient... parce que j'avais quoi? J'en avais une dizaine. C'était suffisant pour qu'ils montent. Bon. On va voir si je trouve des caca bleus. Ouais. Il y en a un là-bas. Plante rocheux, donc ça c'est les caca bleus. Je sais pas comment les appeler autrement. Ça va où ça? Oh, oh c'est joli. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est joli. Forêt des champignons. Ah, il y a des slimes gris. Ouais, ils se sont sautés dessus pour se faire la courte échelle. Elle était compliquée à dire cette phrase. Donc faut que je fasse gaffe à pas les aspirer les gros parce que sinon ils vont me tomber dessus. Caca bleu, un caca bleu. Mangez pas votre caca, laissez-moi le prendre. Si j'achète un aspirateur à caca, ça me permet de faire la flemmarde d'un plus ramasser les caca. Oh, je peux avoir un motocrotte. Ah, c'est bien ça. Mais pour ça, il me faut plus de caca pour avoir plus de thunes. Ouf, des carottes qui sautent toutes seules hors du sol. Mais lâchez-moi, lâchez-moi, ne me sautez pas dessus. Me faites bobo. Oh, va déjà aller vendre ça. Alors, j'ai trouvé des slimes bleus. Enfin, j'en ai trouvé un. Les phosphorescents, c'est la nuit. Il y avait des blancs de l'autre côté. Si je retrouve mon chemin.
Comment on meurt dans ce jeu par un excès de mignonnerie? Ouais, je pense qu'à force de leur faire des câlins, je vais mourir. Faut me sauter dessus. Je ramène ça et après le courrier, on avait dit. La la la. Ouh, marchand de plortes, j'ai vendu tellement de crottes que... Ah... L'eau et les câlins, ouais. Ouais, c'est ça, en fait, si je me noie, bah, je rentre au ranch, c'est ça. Non, je vais pas faire, parce qu'ils vont qu'on me filer un truc que je pourrais pas réutiliser. Alors, eux, on va les laisser... Ils sont quoi? Ils sont 7. C'est rigolo. Mais c'est... Ça détend de ramasser les crottes, en fait. Enfin... Ça détend parce que c'est des crottes roses qui sont mignonnes, hein, évidemment, si ça avait l'air... Si ça avait la même tête que les crottes des éléphants à Planet Zoo, je suis pas sûre que... aspirateur à caca. C'était où? C'était ici? Réservoir d'eau, jetpack, botte de course, amplificateur de réservoir, c'est ça? Non? Mais attends, j'ai pas l'aspirateur à caca. À côté de mon enclos à slime, ouais. Alors ça, c'était les améliorations. Je pense pas que ce soit ça. Non, ça c'est la grotte, 1795, à côté de mon enclos de slime. Ici? Collecteur de plortes. D'accord, ok. J'ai pas assez. Ben on va encore les ramasser à la main. Hein. Ok. Non, je croyais que... Je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, c'était une amélioration sur le gun, là, pour ramasser les cacas, genre quand je passe, quoi. Donc effectivement, c'était pas ça du tout. Tiens, bouffe. Non! Je voulais balancer la carotte. Pas le pauvre slime qui s'abîme au soleil parce que... c'est un slime de nous. Un slime de nous. Je comprends de mieux en mieux. Bah, comme dit, avec l'acuité intellectuelle que j'ai ce soir, c'était pas gagné. Hein. La mange. Voilà. C'est bien. La manger, il m'a fait un beau cacoune. Donc on avait dit 500 balles. Hein. Et après, je vais aller voir mes mails. Un caca près. Je vais y aller, chill bien, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à toi, Zeyla, merci d'être passée. Ouais, là ça va, c'est vraiment en mode pépouze. Hein. C'est fou, le stream tranquillou. Mais c'est vrai que c'est tout mignon. Les slimes mangent le manger que quand ils bavent. Baver, c'est ça, les trucs... La pression coup. J'ai l'impression que c'était bien ça. Ah, sur leur tête. Ok. Petit paf sur leur tête. Petit paf sur leur tête. Ok. Moi, je croyais que c'est quand ils avaient l'air pas contents, c'est parce qu'ils avaient faim, il fallait les nourrir. Voilà. Donc maintenant, on va faire un aspirateur à caca. Et je mente, il y a aussi des nourrisseurs automatiques, tiens. Mangeoires automatiques, voilà. Ça, c'est combien? C'est 500 aussi. Deux types de plortes. Voilà. On peut faire une boîte à musique. Tu vas voir, être chou. Alors, qui c'est qui m'a écrit?
Je m'appelle Ogden Ortiz, je suis éleveur comme toi. Ça me dit quelque chose? Mais je me vois surtout comme un agriculteur. Je suis venu à Far Far West pour cultiver des fruits et des légumes comme on le faisait sur Terre autrefois, en mettant les mains dans la terre. Savais-tu que les carottes amélioraient ta vision nocturne? Non, vraiment. Je ne comprends pas pourquoi les éleveurs n'en gobent pas à la première occasion. Se perdre la nuit dans l'Ouest peut être très dangereux. Enfin, je m'emporte. On se parlera via la zone d'échange. Je n'élève majoritairement que des slimes qui mangent des fruits et légumes. Attends-toi donc à ce genre de requête de ma part. J'ai hâte de traiter avec toi. PS, tu as déjà entendu parler du gingembre ambré? Il s'agit d'un légume mythique qui serait l'aliment préféré des slimes dorés tout aussi légendaires. Mais d'après certains, aucun des deux n'existe vraiment. Ils bavent, ils sont pas contents, ils sont heureux. Ils bavent, c'est vraiment faim, pas contents, ils veulent manger, mais sans plus, contents, ils ont bien mangé. D'accord. Ouais, la boîte à musique, c'est pas la priorité. Je pense que la mangeoire automatique, ce sera la prochaine upgrade, quoi. Ouais, quand ils font la gueule et quand ils ont faim et quand ils bavent, c'est qu'ils ont vraiment très très faim. Ok. Est-ce que je peux encore faire des trucs? Parce qu'on... Je sais plus qui c'est qui m'a dit qu'il faut pas sortir la nuit. Parce qu'il y a du goudron ou je sais pas quoi. J'ai rien compris en fait. Mais... En même temps, il y a des slimes phosphorescents, donc... Peut-être que je peux en récupérer encore un ou deux. Ou est-ce que c'est juste trop tôt et c'est pas la peine? Bonne soirée, Chocopirate. Merci à toi aussi d'être passé. Ah. Ou le filet aérien pour éviter qu'il sorte par le haut. D'accord. Oui. Ça, je pourrais mettre pour les slimes roses. Hein. Le côté machin. Oh bah, je récupère du caca encore. Quoi? Ah, j'ai un succès. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un succès. En liberté. Faites plus de caca, je veux des sous. Ah, c'est pas un caca, c'est un slime. C'est vrai que je pourrais les nourrir, ils me feraient du caca, mais... Ah, parce que j'ai... Je lui ai lancé un fruit à la face et il l'a mangé. Ok. C'est sympa. Mais il n'y a plus de slime phosphorescent du coup. Donc, je vais quand même garder le mien. Maintenant qu'il est là. Qu'est-ce qu'il y a encore qui traîne là-bas? Un succès de Slime Rancher Upper Crust and over 100,000 new bucks. C'est quoi? Ah, c'est la monnaie du jeu, ça. Je crois que c'est par là. Hein. Je vous jure, un jour, je saurai m'orienter. Si, si. Je promets, un jour. De quoi gagner plus que 100 000 new bucks? Faut y pas vraiment grand chose à traduire. Hein. On va aller vendre ça. Les yeux qui piquent. Alors, est-ce que la nuit dans mon ranch, je suis quand même en sécurité? Ah, c'est l'aspirateur à caca? Ah. Pas l'air de faire grand chose. Oui et non, d'accord. Pour les nouveaux ici, Nao sans mini 4, prend 6 ou 7 là, faut savoir s'orienter même parfois plus. C'est à peu près ça. Il a pas l'air de faire de... Il en branle pas une lui hein. Il m'a aspiré des carottes mais il a rien fait d'autre. C'est quoi? Ah, faut l'activer à la mano. Ok. Donc on va les laisser vivre dans leur crotte. Et ensuite on va aspirer tout ce qui traîne. Je suis une méchante. Je leur lance des carottes à la tête. Ça, ça a pas poussé encore? Non. Pas. De base, oui, mais c'est un truc particulier, ce pass. Nope, je préfère te laisser découvrir. D'accord. Ouais, t'as bien raison. De toute façon, au pire, je crève et je réapparais au ranch, c'est ça.
Enfin, j'imagine. J'espère. Alors maintenant, la grande question, c'est comment je fais pour récupérer les caca. Ça m'a dit appuyer quelque chose. Non, c'est ça. Oh, ça va, on en stocke quand même pas mal. Hein. S'il y a à 5, il est que rempli comme ça. Mais comment je les récupère du coup? Faut l'activer, c'est des flammes, faut quand même l'activer, ouais. Non, parce qu'en fait, mais je pense que j'ai dû accidentellement cliquer dessus ou autre chose. Quand je suis rentrée, il aspirait, donc je croyais que c'était automatique. Oh, bah t'avais faim, mon petit slime. Ils vont venir aux bases. Faut que je les nourrisse de carottes tout le temps. Parce qu'il y en a plein qui ont l'air de faire la tête. Bon, lui, il a l'air content. Lui, il a l'air ok. Regardez-moi celui-là. Ancienne machine avec du caca dedans. Attendez. Je me souviens qu'il s'activait tout seul dans un certain temps. J'ai de mauvais souvenirs. Bah, j'avais l'impression aussi, mais visiblement pas. Merci Autobot. Oui, Autobot, il aime pas le mot caca. Enfin, il y a pire à bannir que le mot caca. Mais quand il y a une machine avec du caca dedans, mets-toi un peu éloigné du truc et aspire. Et hop, il est automatique, mais peut-être activé. Coucou Terraclo, comment ça va? D'accord, comme ça. Bah ouais, je vais aller vendre mon caca du coup. Eh. Faut du pognon. Peut-être que j'aille dormir, il est 1h du matin, non? Technique de flemmard de 0, on est d'accord. J'aime bien quand même avec le gun là où il a l'air bien, ouais, prêt au combat et tout. Puis en fait, non, tu vas ramasser du cacoun. J'y vais, je vais lancer mon stream, je laisse l'onglet ouvert à plus. Y'a pas de souci, Django, merci d'être passé. Et puis, bah écoute, bon stream à toi. Tu fais du Hollow Knight hein? Je sais que bah t'en fais, mais j'ai vu. Je sais plus ce que t'avais fait l'autre fois, par contre, j'arrive pas à me rappeler. Mais je l'avais vu en passant. Je veux ton caca, donne-moi ton caca. Toi aussi, donne-moi ton caca. C'est un slime qui vient d'éclore. Hein? Fais du Bloodborne, ok. Ah voilà, ouais, Bloodborne, ok. Ouais, ouais. Ça maintenant, oui, maintenant que tu le dis, je m'en rappelle. Non, mon caca! Ouais, mon caca! Donne-moi ton caca bleu. Bon, tant pis, je vais nourrir pour qu'il fasse plus de caca. Tout ça pour du pognon, hein, je sais, c'est absolument lamentable. Ça, j'irai plus tard. Ouf! Bon, bah, je crois que le prochain enclos, c'est des slimes rocheux, hein. J'ai cru en avoir vu un autre. Je rêve ou... Est-ce que quelqu'un a vu un caca bleu? Dans ma ferme, je peux mettre d'autres enclos pour mettre d'autres slimes. Ouais, mais je veux... il me faut 500 balles pour ça, pour faire tout de suite les murs hauts. Parce que sinon, ils risquent de trop facilement se barrer. Hein. Donc tant que j'ai pas 500 balles, bah malheureusement, c'est... Il y a un truc bleu là-haut. J'ai vu passer un truc bleu. Il y a un caca. Il me semblait que j'ai vu passer un slime bleu. Ah ouais, non mais le jetpack, il y a le jetpack, il y a la grotte, il y a ceci, il y a cela. Je vais pas tout acheter d'un coup. On va d'abord faire l'enclos.
et pour faire des slimes bleus qui font du caca bleu qui me rapportera plus de sous-sous. Merci pour le host, Lounès, d'ailleurs. Je suis nouveau perdu. Non, ça va, je suis là. Je fonce dans les virus. Ça ressemble à des virus. C'est vraiment un truc giga utile. Ah ben, je veux bien te croire, mais il y a tellement de choses qu'il faut que j'achète que... Je peux pas tout faire en un coup. Mais je vais déjà faire mon enclos pour les slimes bleus. Je vais vendre mes plortes. On ira voir si mes betteraves ou je ne sais plus ce que c'est... Et du coup ça m'embête parce que j'ai pris un slime phosphorescent et si je le relâche maintenant il va mourir. C'est ça? En plein soleil? Donc ce serait un peu pas terrible. Voilà. Une vingtaine... Je suis pas encore à 500, mais je peux au moins commencer à faire un enclos. Est-ce que je ferais pas mieux de mettre les... Ouais, je me doute, oui, voilà, pour voler et planer, effectivement, atteindre des zones secrètes ou te sauver de l'eau ou du vide. Ouais, mais comme dit, pour l'instant, c'est pas ma priorité parce que... Je vais pas aller chercher des zones secrètes alors que je sais à peine ce que je dois faire ici. Est-ce que j'irais pas mettre les slimes plutôt là-bas? Moi, je sais pas. Bon, écoutez, on va mettre ça ici. On va en faire un là pour l'instant. On va mettre ça ici. Et dès que j'ai 250 balles, je vais pouvoir faire la suite. La prochaine quête, non, parce que de toute façon, je peux essayer, mais je vais pas arriver à la faire. Donc, nouvelle recette. Il va vouloir de la bouffe. Ça, j'en ai pas encore. Ça, je sais pas ce que c'est. Je veux bien lui récolter des fruits, mais je pense que je finirai pas parce que je ne sais pas ce que c'est que le troisième truc. Et l'autre, ils ont pas fini de pousser. Donc je sais pas trop. J'ai déjà oublié combien il en fallait, on va prendre 6 ou 7. Hein. Ils sont où les fruits? Bah oui, ils sont jamais poussés quand j'arrive. Alors forcément quoi. Je me fais avoir à tous les coups. Mais je sais pas, ce truc de quête, ce serait bien de savoir à l'avance ce dont t'as besoin, parce que là t'as juste quoi, 15 minutes. Viens là. Je prépare ma future... L'aspirateur à caca, ben... Bah ouais, l'aspirateur à caca, il est là. Il est installé. Non mais c'est un petit peu... Un peu chiantos les quêtes là. Viens là. Je te veux, toi. Il me faut quoi de nouveau? J'ai déjà oublié. Il me faut des fruits, il me faut les betteraves, c'est ça? Et le troisième, je sais plus ce que c'est. Je connais pas le troisième, j'ai l'impression que c'est un type de fruit ou légumes que j'ai pas encore eu. Enfin bon. Pourquoi cet arbre, il pousse jamais? À chaque fois que j'arrive, les fruits sont tout petits. Non, lui non plus, ben... non mais ces quêtes-là, je vais juste pas les faire, ça sert à rien. Enfin, ça marche pas, quoi. C'est, il me demande des trucs que je sais pas où c'est, et quand enfin les fruits ont poussé, eh ben c'est trop tard de toute façon, donc... là j'en ai 5, je pense que c'était 6. J'ai un très vague souvenir d'avoir vu d'autres fruits, mais j'arrive pas à me rappeler où. Là-bas, il y en a. Allez, grimpe. Allez, grimpe. Voilà. C'est quoi, ça? J'ai une crotte blanche. Je veux la crotte blanche. Plorte tigré. Je sais pas qui c'est qui a chié ça, mais... Je pense que ça va bien se vendre, tant pis pour les autres. Ouais, ma vie est triste. Tu restes un peu bloqué à la zone des slimes rocheux? Ben oui.
Bah, c'est-à-dire, je veux d'abord faire les trucs de base, non? C'est... Je sais que vous voulez que j'aille loin et tout, mais faut que j'apprenne le terrain ici. Hein. Y a pas une autre crotte tigrée là, non? Bon. C'est pas grave. On va aller nourrir les autres slimes, ils me feront plein de caca. C'est un autre type de flamme qui fait ce caca, ouais. Qui doit être un petit peu plus loin. Il y en avait qui étaient un petit peu grisés comme ça. Je pense que ça doit être ceux-là. Alors, le pogo fruit, je pense que c'est ça. Ok. Ça, ça pousse et ça, je sais pas ce que c'est. Ok. Je vais aller vendre ça. Je crois que c'est un de ceux-là. Hein, qui vaut... C'est celui-là qui vaut 29, voilà. Et je suis combien sur 51? Un autre crotte tigrée. 1, c'est une autre crotte tigrée. C'est pas grave. Je suis très libérale sur l'utilisation des pronoms et des accords. Viens là, le caca. J'aurais pu utiliser l'aspirateur, je sais. Ah bah voilà, là il marche tout seul. Là, on est d'accord qu'il a marché tout seul. Bon, on va les vendre ça, hein. Non, c'est surtout que je veux dégager mes slimes rocheux là, dans un enclos bien à eux. Mais faut qu'ils soient hauts. L'aspirateur, tu l'actives pas, tu l'as acheté pour ne pas ramasser les caca. Ouais, mais du coup, ça allait plus vite de les ramasser à la main sur ce coup-là. Ben ouais. On avait dit c'était quoi 3 machins ici. Ok. Mais ça par contre, les espèces de fraises carrées là ou fraises triangulaires, je sais pas trop ce que c'est. Est-ce que j'en ai déjà vu des comme ça? Ouais, mais là il fait nouveau quasiment. Enfin, il fait pas nuit, mais enfin bon, le temps que j'y aille. Bon, alors attendez, donnez-moi un instant parce que là, Automode il commence sérieusement à me les briser. Où est-ce qu'il est? Mais il est déjà dans la liste, qu'est-ce qui me saoule? Ah, parce que le prix des caca change, ok. Écoutez, je sais pas quoi faire avec Automode, on a caca au pluriel, qui sont autorisés, et visiblement il les bloque à chaque fois, donc j'ai autorisé crotte quand même, ça nous fera un petit peu des variations. Je sais plus ce que je faisais. J'allais où de nouveau? Ah non, il y a un caca bleu là-bas. Enfin, récupérer le bleu. Mais non, j'ai vu un caca bleu, il est où? Je rêve pas, il y en avait un bleu? Mais non, mon caca! Mais... Faudra peut-être changer de bot, ça saoule un peu. Mais c'est pas le bot, c'est Twitch. C'est Automode, c'est Twitch, c'est pas Wisebot là. C'est vraiment le truc de base. Hein. Je peux pas l'enlever malheureusement. Hélas, sinon je le ferais bien, vous pensez? Oh, y'a plein de caca. Plutôt on va les récupérer, on ira vendre ceux-là. Hein. On n'est pas très loin du 250, ça devrait le faire, là. Il me semble en avoir vu un bleu, mais je sais plus où il est. Il a disparu. L'aspirateur sert surtout quand t'as plein de slime dans l'enclos. Bah ouais, mais je peux pas en mettre de trop, parce que si j'en mets plus que 8, ils s'évadent et ils vont bouffer les poules et les légumes.
Le prix des déchets, c'est le plus gros défaut du jeu, car si tu farmes trop, tout va vite se vendre à un. Ouais, d'accord. Mais comment je fais du pognon, alors? Bah non, il est à 8, c'est le même prix qu'avant. Ça a toujours été 8, ça. Je vais juste finir mon enclos là-bas. Je vais mettre les bleus dedans. Ça me libérera de la place. Mur haut. Ah non, c'est... Mais non. Mais non. Bon, faites-moi des cacas. Le jetpack. Ouais, mais j'ai pas les sous. J'ai pas les sous pour l'instant. Je vais juste faire mon enclos pour les slimes bleus pour avoir des cacas plus rentables, on va dire. Il me faut encore 15. Allez, tu peux le faire. Ça devrait aller là. Que je puisse finir ça avant la nuit et après aller me coucher. Voilà. Le prix de l'autre zone en face de la grotte, c'était pareil, 1795. Mais je sais pas quand c'est que je vais débloquer ces trucs, parce que c'est tellement cher. Ok. Voilà. On ramassera le caca à la main pour l'instant. Et j'espère que ça suffira au niveau de l'enclos. Enfin, je suis désolée, je suis déjà complètement fatiguée, c'est horrible. Sur des jours comme ça, franchement, je déteste mon job. Hein, non, il n'y a pas de mail. Pourquoi j'ai cru qu'il y avait des mails Ouais, ça, je sais pas où trouver ça. Je sais pas ce que c'est. C'est des poules, hein. Ouais, mais en plus, faut trouver plein de machins et ça... Pff, ouais. La grotte est utile pour les slimes phosphorescents. Ouais, faut juste que j'ai le pognon. Je vais encore aller chercher un peu des trucs là. Je sais pas ce que c'est, mais... Je trouverai bien quelque chose. Bon. C'est pas ce que je comptais faire, mais c'est pas grave. Ils m'ont fait plein de caca, donc ça va aussi. C'est quand même terrible ce jeu où on s'enjaille sur du caca rose. Ah, bon, écoutez, hein. Puisque de toute façon j'en ai déjà dans mon réservoir, autant que ça serve. J'ai jeté un truc, je sais pas ce que c'était. C'est quoi ça? Non, c'est toujours des pogo fruits. Ah oui, ça c'est clair, les musiques sont ultra relaxantes. Je les entends pas beaucoup parce que j'ai mis mon casque pas assez fort, mais... Non mais je sais pas où trouver les autres fruits là maintenant. Je vais aller dormir et puis je vais y aller le lendemain. Puisque la nuit ne porte pas conseil dans ce jeu. Ah là là, faut que j'arrête d'utiliser les flèches. Ah, j'ai tellement l'habitude de les utiliser, c'est pas pratique sur ce truc là. Je me fais des notes mentales, hein. Tout est normal. Voilà, dodo. Les zones suivantes, ouais, justement, c'est pour ça que je vais aller dormir et puis que je vais aller voir. Mais je pense que je vais rater le truc parce qu'il reste quoi, 5 minutes? Ouais, 5 minutes. Les zones suivantes. De toute façon, j'ai pas accès à grand chose, donc je pense qu'il faut que j'aille là-bas.
Enfin, au-delà des slimes pointus et bleus. Hein. Donc là, il y a la flotte. Là-bas, il y a de l'eau. Et on cherchait les fruits carrés. Hein. Donc, peut-être là-bas. Une journée sans email, ouais, ça change. Parce que les fruits carrés, à la fois, ils me disent quelque chose et en même temps, ils me disent rien. Là, il y avait les slimes blancs. Là, il y a des bleus aussi. Ah ouais, mais il n'y en a pas. Ils ont jamais poussé. Et d'ici à ce qu'ils poussent, ben, il n'y en aura plus. Et ce sera fini. Oh, le slime chat. Maintenant que j'en ai plus besoin, il est là. Non, pas toi. Slime tigré. Yay. Moi, c'est ça que je veux. Mais ils... je rêve pas, ils ont bouffé le caca bleu. Il y a un H. Ah oui, tiens, je sais plus ce que c'est, ça. Ah oui, c'est, les petits... c'est le journal de machin chose, là. Je sais plus ce que c'est. Je sais plus qui c'est. Il y avait un grand arbre comme celui-ci à l'orée de ma propriété sur Terre. Il était là depuis très longtemps. Il avait survécu à toutes sortes de changements et un jour, je me suis aperçu qu'il était en train de mourir. Son heure avait sonné, j'imagine. Puis j'ai réalisé que si je ne faisais rien, j'allais finir comme cet arbre qui avait passé toute sa vie au même endroit. Et il en était hors de question. J'ai acheté un billet pour Far Far West dès le lendemain. Ouais, mais j'ai pas le pognon pour le jetpack, donc... Bah, je sais pas, à part ramasser des caca pour l'instant, ça j'arrive jamais à les avoir, ils poussent pas à temps. Donc, enfin que ce soit ceux, pas ceux-là spécifiquement, mais les autres aussi, quoi, j'avais eu le même souci. Donc, je sais pas. Je sais pas trop en fait à quoi donner la priorité dans le jeu. Parce que je sais, vous connaissez le jeu, donc vous voulez que j'achète des trucs, mais. Il y a une caisse, pourquoi il y a une caisse? Je peux faire quoi avec la caisse? C'est quoi ça? Ah! Je peux me casser, hein? Ça a l'air pas gentil? Ça me court pas après. Ouais, maintenant, bah. Non. Pas quoi faire avec cette quête, moi. Tant pis. Je vais continuer à faire des caca. Ouais, les slimes méchants. Bah, continuer à rassembler des caca, on arrivera bien à quelque chose un jour. Surtout que maintenant j'ai des caca bleus, ça me servira peut-être pour avoir du pognon. Puis après on prendra le jetpack et on ouvrira la grotte et on fera d'autres trucs. Quelqu'un m'a tiré dessus. Voilà, un caca bleu. Tout va bien. Donnez-moi les caca bleus. Vite, vite, vite. Ah, il y a encore un H. Réseau de grottes qui s'est effondré de l'intérieur. Hein? C'est peut-être pour ça qu'ils sont aussi grincheux là-haut. Ils n'ont rien mangé depuis un bail. Ne les laisse pas te transformer en repas. Amène un peu de nourriture pour les calmer. Ça sent les... du coup, les goudrons, c'est ça? Ah, c'est peut-être ça, pour ça qu'ils essaient de me bouffer, parce qu'ils ont juste faim, les pauvres. Tuer les goudrons, faut... ouais, enfin, me dites pas tout, parce que du coup, je découvre plus rien, quoi. C'est... Ah, il y a des fruits encore, mais j'ai plus de place. Encore récupérer ça. Après, je vous cache pas, je suis hyper fatiguée, là, je sais pas si je vais tenir longtemps. C'est dommage, mais tant pis. Ah, c'est pas les goudrons, d'accord. Bah, je sais pas, ils parlaient de slime dans des grottes. Donc, je sais pas, je voyais les goudrons un peu sombres. Ils ont faim, je sais pas. Ça me faisait penser à ça, du coup.
Ok, on va aller vendre les crottes. Et puis on va aller nourrir les autres slimes. Je devrais à nouveau avoir les betteraves machin chose là. Et j'imagine qu'il faut que j'en garde une pour replanter. Ouais, non, ça c'est mort. C'est mort de chez mort. Ah oui, je prends des dommages sur ceux-là parce qu'ils sont pointus, effectivement. Ah non, mais d'accord. Ok. Je vois ce que j'ai fait. Je vois. J'aurais pu leur cracher à côté, vous me direz. Toi, tu vas venir là. Voilà. Je crois que je l'ai aspiré par erreur au lieu de prendre un caca. Et que du coup, bah, il est sorti. Ok. Faut remettre un aspirateur à caca pour pas se blesser. Ouais, c'est ça. Comment ça se fait que je les ai crachés à côté, ceux-là? Je sais pas viser à ce point. Je vais vraiment être fatiguée, hein, c'est pas pour dire, mais... Ok, 500... aspirateur à caca, du coup. Collecteur de plortes. Vraiment, si tu mets ton pointeur sur un slime, ça se dit ce qu'il mange. Ah, ouais, ok, possible. Attendez. Légumes, ouais, ça va, ils bouffent tous des légumes pour l'instant, donc... C'est des slimes végétariens. Oh, c'est mignon. Ah bah, ils m'ont déjà fait des cacous. Ah oui, non, faut d'abord que je le déclenche. Oh, il a fait un petit cœur. Et des caca. C'est vrai que comme ça, c'est un petit peu plus pratique quand même, on est d'accord. Bon, ça devrait... Avec les bleus, ça devrait augmenter un peu plus vite. Faudra que je me fasse les tigrés aussi, parce que leur caca, ils ont l'air de bien se prendre. Et ça, c'est les cacas phosphorescents. Hein. Mettre d'autres légumes dans le potager. Ouais, faut juste que je trouve quoi d'autre. Je peux mettre des carottes. Hein. Alors, si j'ai bien compris, on est d'accord, c'est que je peux mettre qu'un légume à la fois. Hein. Là, ils ont pas encore poussé. Ah, quoique. Ouais, non, je peux en mettre que un. Hein. Solra, qu'est-ce que je peux avoir ici? Arroseur, slim pouvantail. D'accord. Et l'arroseur pour que ça aille plus vite. Et le sol pareil, ok. Ouais. Par contre, du coup, les betteraves, j'aimerais bien en garder genre une. Y a pas quelque chose où je peux stocker. Là-bas, c'était quoi? Non, ça c'est le... Un coffre ou... Parce que le problème c'est que par exemple maintenant si je balance la betterave pour mettre des carottes à la place, ça veut dire qu'il faut que j'aille rechercher une betterave par la suite. Faut que j'en trouve pour pouvoir replanter des betteraves. Mais j'ai pas gardé un de chaque dans mon inventaire vu que j'ai que 4 trucs. Ouais. Je vais quand même continuer à planter ça pour l'instant parce que...
J'ai pas envie de m'en débarrasser. Ah, je sais pas trop. Ouais, y a pas de truc où on peut stocker, ouais, voilà, un coffre ou autre chose. Je vais leur tirer au travers de l'emploi. Hein. Fait des bouts caca. Quelle fascination. Alors par contre, pourquoi il y en a deux? J'imagine que c'est pour avoir deux fois plus de place. Mettre un donneur debout pour pas se faire mal et parce qu'on a des flemmards. Ouais, ouais mais c'est ça, il y a tellement de trucs à faire. Du coup, bah il me faut du pognon quoi. Il me faut de la moulasse d'abord. Donc un troisième encore pour mettre des tigrés et puis des trucs comme ça, les phosphorescents. Bah par contre, je vais vite arriver à court d'enclos, hein, parce qu'il peut en avoir... Ouais, en fait, je suis bête, j'aurais dû mettre le potager ici. C'est quoi, est-ce que je peux pas virer le poulailler? Ouais, j'aurais dépensé les sous pour rien, du coup. Si je fais démolir, est-ce qu'il me rend mon pognon? Ouais, pour le donneur de bouffe, faut mettre soi-même la bouffe, ouais. Est-ce qu'il me rend ma thune si je démolis et je mets le poulailler ailleurs? Comme ça, je mets tous mes slimes ici et je mets le potager et le poulailler de l'autre côté. Ou bien je vire les slimes roses et je mets des tigrés. J'irai pas virer ceux-là du coup. Ouais, la barrière solaire, sinon il crame, on est d'accord. Laisse comme ça tri quand t'auras les autres zones. Ouais. Est-ce que j'ai quand même gardé les slime roses pour le début? Ouais, ça fait quand même des caca faciles et rapides. Allez. On va mettre ça pour les tigrés. Et dès que j'ai encore 350 balles, je fais une barrière plus haute pour qu'ils sautent pas. Quoique... Non mais attendez, si j'en mets un... Je veux pas prendre le risque. Avec ma chance, ça marchera pas. Allez, faites-moi de la merde. Hop. Ils ont l'air tellement contents. Ils ont l'air absolument de vivre leur meilleure vie, quoi. C'est trop bien. Moi, je marche dans mon potager, tout va bien. Voilà. Allez, direction 350 balles. Yes. Mais c'est vrai qu'on est d'accord, je suis pas encore allée beaucoup explorer. Après, en même temps, fatiguée comme je suis, c'est pas étonnant. Je vais encore aller récupérer des trucs qui traînent là. Puis après, on ira lire les mails. Donc faut que je fasse gaffe au goudron. Tant qu'à en avoir... Ouh, mais j'ai un plort phosphorescent. Mais c'est beau. Je vais le vendre. Toi, tire-toi. Oh, j'aurais pas perdu ma soirée finalement. J'ai récupéré des caca. On va voir si on a encore. Ah, oh, il y en a plein là-bas, c'est cool. Enfin, plein. Mais par contre, on est d'accord que les slimes, ils bouffent leur crotte. Parce que plusieurs fois, j'en ai vu des bleus, et quand je suis arrivée, eh ben, il n'y avait plus. Ok, bah ça, je suis plein. De toute façon, j'ai mon réservoir à caca qui est tout plein. Du coup, est-ce que je commencerai pas par les slimes phosphorescents quand même? Ah, je sais pas. Ah. On va regarder le coup de la barrière solaire. Si je ferais d'autres streams dessus, ouais, après pas forcément en priorité.
Mais pourquoi pas, ouais. Je dirais, c'est comme tout, hein, ça dépend quand j'arrive à caser des streams en plus, parce que en vrai, avec 3 streams par semaine, c'est vite limité. Qu'est-ce qu'il me fallait encore? Ouais, tout cas pousser ici. Une drôle de gueule, le potager. Je vais juste aller en replanter. Ah non, mais attendez, du coup, ça continue de pousser tout seul, c'est ça? J'ai pas besoin de remettre une betterave, du coup, non? Ah ouais. Oh, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Voilà, bouffe. Puis vous aussi. Mangez, grandissez, reproduisez-vous et faites-moi des beaux caca surtout. Car c'est grâce à vous que je gagne du pognon. Non! Voilà. Oh, ils en ont fait d'autres. Là, j'aurai mes 350. Ça pousse tout seul, il faut juste un de l'espèce que tu veux pour l'activer. C'est ça, ok, donc c'est juste pour l'activer. Et une fois que c'est activé, tant que je le vire pas, ça va, quoi. Ok. Ah. Bon, bah tant pis. J'ai des caca qui traînent par terre dans les rues. C'est lamentable. Ah, vraiment dégueulasse ce ranch, hein. Il y a de la merde partout. C'est crade. Voilà, en fait, qu'est-ce que tu fais dans ce jeu? Bah, je ramasse des crottes. Mais elles sont mignonnes. Elles sont roses et bleues. Ok, donc. Mur haut. Et le bouclier solaire. Alors, bouclier solaire, c'était pour les autres. Ok. Donc là, on va mettre celui-là. Par contre, je sais pas ce qu'il bouffe, lui. Viande. Ah! Viande. Où est-ce que je trouve de la viande? Pas là-dedans. C'est vrai que du coup, pareil, les phosphorescents. Les poulets, bah oui, forcément. Le jour où on aura le caca doré, ouais, ça ce sera beau. Alors, Mochi Miles, je sais pas qui c'est, une nouvelle éleveuse en herbe a accepté de vivre en solitaire sur un caillou de l'espace, félicitations. Je m'appelle Miles, comme dans Tatsuya Miles, le milliardaire. Je viens effectuer une mission importante pour mon père, mais ne crois pas que je vais me priver de ridiculiser ces campagnards au passage. Personne ne conquiert le marché du plort comme moi, à la force du poignet. Mon père me donne pas mal d'infos de première main, je vais donc exiger les plorts qui me rapporteront beaucoup d'argent par la suite. Je te souhaite bonne chance. Qui sait, tu arriveras peut-être à la seconde place, et au moins tu pourras dire à tes amis que tu as filé un coup de main à la grande Mochi Miles dans sa conquête de Far Far West. T'es qui, toi? Genre sérieux, t'es qui, toi, de nouveau? Allez, bon, on va chercher des poulets. Donc normalement, maintenant, ils devraient arriver à survivre. Je vais juste encore aller les nourrir. Voilà. Et comme ça, il faut que je récupère une poule et un coq, hein, on est d'accord. Bah, vous voyez, là, j'ai même pas fait le rapprochement entre des poulets et de la viande. C'est vous dire à quel point... À quel point les neurones ne se touchent plus à cette heure-ci. T'auras pas eu le coq. Non mais... Ah là là, comme j'ai spite ce slime, ce smile.
Ah, à la fatigue. Ah, c'est terrible. Est-ce que j'ai oublié un truc à faire au poulailler? Je vais quand même vérifier. Mur haut pour garder les poulets à l'intérieur et refouler les slimes. Ben, j'espère que ça va suffire. Parce que là, pour l'instant, j'ai pas de quoi vous faire des murs hauts. Ah, je vais me faire 100 balles, ça c'est déjà cool. Oh bah récolte de caca les enfants! Pour avoir de la moulasse! 350 balles pour les murs hauts. Est-ce que les slimes peuvent mourir de faim? Du genre, si je mets le slime tigré mais que je le nourris pas tout de suite. J'ai pas envie de tester parce que j'en ai qu'un seul, mais... Si à la fois ça me surprendrait pas et en même temps c'est tellement mignon que peut-être que non. On a peut-être de la chance. Oula, c'est bon ou ça tonne là dehors? Pas cool. J'espère que j'ai pas d'orage ce soir. Enfin, quoique, s'il y avait de l'orage, au moins il ferait un peu moins lourd. Ce serait pas mal. Parce que je sais pas comment c'est en France, mais alors là, ces 3-4 derniers jours, c'est. Depuis ce week-end. On va dire que la chaleur, la lourdeur, plus le boulot, c'est vrai que c'est pas évident. Oh. C'est de me griffer la face en me grattant. Il y a rien que moi pour faire ça. Ah, plus caca? Ah, plus caca. On va déjà aller vendre les plortes. Est-ce qu'il m'en a refait là? Je crois pas, hein. J'ai déjà tout récolté. Voilà. Ah, c'est vrai que c'est un peu le bordel le ranch pour l'instant, mais c'est pas grave. Voilà. Dites-moi que mes poulets sont encore là, par pitié. Je vois un truc qui bouge, ça a l'air d'être bien. Yes. Voilà. Bon, moi, je vais attendre qu'ils se reproduisent. Hein. Avec leur donut géant. Je pense que c'est un nid pour pondre des œufs. Mais c'est tellement plus marrant d'appeler ça un donut. Ok, bon bah écoutez, on va faire du pognon. Je vais chercher une poule, si j'en trouve une autre, pour la filer à mon slime tigré, lui faire faire du caca. Il y a des pogo fruits, yay. Ils poussent pas ceux-là, ils poussent vraiment pas. Et les poules, faut que je fasse gaffe parce que c'est là où il y avait les goudrons. Hein. Il me semble qu'il y en avait dans le secteur. Non, donne-moi le caca. C'est pas forcément une bonne idée parce que... Je voulais des poulets, moi. Non! Voilà, tant pis. Ça par contre c'est cool de pouvoir faire ça quand même avec les slimes, de pouvoir les envoyer. Bon bah j'ai quelques slimes tigrés en plus. Je peux descendre par ici, c'est bon à savoir. Ah, j'ai entendu un bruit. C'est vrai que du coup, ces slimes phosphorescents, c'est bien que je les ai, mais... Ils prennent un peu de la place. Faudrait que je pense à prendre une upgrade pour avoir plus de réservoirs. Tiens, je vais voir
Ça doit être possible et je vais voir combien ça coûte. Je sais, je fais beaucoup d'aller-retour. C'est... Vous inquiétez pas, c'est normal. Pendant ce temps, dites-vous que j'apprends la carte. Enfin, le peu de cartes qu'il y a. Jetpack, besoin de cardiomodule, noyau de puissance, amplificateur. Non, c'est pas ça. Ah, il y aura peut-être des trucs par la suite. Alors, encore un email, mais en vrai... ça attendra. Ça attendra genre grave. J'étais partie pour quoi de nouveau? Pour chercher de la poule, hein? Il me semble. Oh là là! Ouais, je suis partie chercher de la poule. Ouais, d'accord. Ah, c'est laborieux, hein. Je vous ai dit, les neurones, ils ont du mal ce soir. Mais en fait, le problème, c'est que je me fais distraire dès qu'il y a un caca bleu ou autre chose. Donc, ça aide pas. Par contre, si c'est une poule par truc tigré... Ah, ça va être chaud, hein. Viens là, la poule. Ah, j'ai 5 tigrés, ça devrait être pas mal. J'ai trouvé 4 poules. Poussidou rocailleux. Oh, ça a l'air sympa. Je sais pas si je peux mettre avec les poules par contre. Écoutez, on va dire que un coq ça suffira. Et puis... Puis voilà. Il pourra engraisser les 9 poules, enfin les 10, enfin les 11. Je sais plus combien j'en ai mises. Donc là, je vais essayer de nourrir mes slimes tigrés avec de la poule pour voir ce que ça donne. Pom pom, je saute partout. Tout va bien. Et il faudra que j'aille prendre des... Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a un amalgame de, slime. J'arrête pas de dire des smiles. Je fais même plus de commentaires à ce niveau-là parce qu'il y a tellement de, fatigue là dans, mes yeux et dans ma tête que ça, devient dur. Les poules qui roulent sur le sol. C'est assez particulier quand même. Qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent d'aller chez les poules. Ouais. Ils essayent d'aller chez les poules, les petits. D'accord, c'est une poule par slime, effectivement. Elles ont intérêt à se vite se reproduire. Hein. Bon, je vais pas en mettre plus que 5. Sinon, je sais pas trop ce que ça va donner. Ok. Au moins ceux-là ils valent un petit peu plus, donc j'espère que ça me permettra de bah, de récolter des trucs. Oh, ils sont trop mignons, ils me regardent, c'est flippant. Maintenant faut que je trouve des trucs pour ce que les poules se reproduisent plus vite. Hein. Par contre comment, quand est-ce qu'elles font des œufs? J'espère qu'elles font des œufs. Parce que, comme dit, une poule par slime... Ah, ça fait chaud, hein.
500, des poules et coques en pleine santé deux fois plus vite. D'accord, donc l'herbe printanière, ça peut être pas mal. Hein. Ok. Je vais aller chercher des carottes et des fruits. Je regarderai la quête tout à l'heure. Parce que là, vu l'heure, de toute façon, j'irai plus me balader des masses. Voilà, je vole les carottes. Je suis une méchante qui mange vos carottes. Et vos fruits. Et plein de choses. Ok, et il y avait encore des fruits là-haut. Enfin, ici. Pogo fruits. Bon, j'ai récolté un, c'est un peu minable, mais... Je pense qu'en fait, j'arrive jamais à temps pour récolter ceux-là. Ils tombent et ils se font bouffer tout de suite. A priori, l'explication la plus simple est souvent la meilleure. Ouf, il y a plein de caca. Faut que je vende plus de caca que Miles machin chose là. Mochi Miles. Je me demande si c'est elle qui me filera une mission, elle aussi, je ne sais pas. Bon, ça va, il y a encore des poules qui traînent. Heureusement qu'elles se reproduisent toutes seules. J'ai même pas regardé ce que ça bouffait les poules, mais je pense que c'est le machin dans le poulailler qui va s'en charger. Qui est une espèce de nourriture automatique. Pourquoi ils se rassemblent là? Qu'est-ce qu'il y a ici? Je ne sais pas ce que vous voulez, les slimes, mais... Un jour, je découvrirai peut-être. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai ici qui a poussé? Parfait. Ah, mais ils sont allés loin, les fruits, hein. J'en ai eux 4. Ça va faire des belles crottes. Ouah, bah dis donc, il y a plein... Ils avaient faim, des pauvres. Hein. Je pense que j'ai encore fait une petite récolte et puis après je vais quand même tout doucement arrêter parce que je suis vraiment... C'est très fun, hein. Le jeu est très sympa, mais je suis super fatiguée. En même temps, c'était bien, c'est bien de streamer parce que ça remonte un peu le moral quand même. C'est cool. Voilà. Je vais aller vendre ça. Et on fera le truc pour les poupoules. Ah, les plortes rocheux, là, ça devrait me ramener pas mal. Voilà. J'ai du bol, c'était 450 et je peux nourrir les poules. Et après, j'aurai des poules et des œufs pour aller nourrir les machins tigres. Herbe printanière, voilà. Alors, j'ai toujours mon petit... Ah, ils ont fait des poussins. Est-ce que le poussin rocailleux, il est encore là? Qu'est-ce qu'il est devenu? Je le vois pas. Ah! C'est une poule un peu différente, là. C'est des œufs? Ah non, c'est des insectes! J'ai cru qu'elle pondait des œufs. C'est très, très...
très, très bizarre. Vraiment très bizarre. Mais c'est cool. Alors, qu'est-ce que j'ai comme mail? Oh, je suis très conviée dans le très exclusif et convoité Club de Récompense 7Z. Club de Récompense vous permet d'obtenir des rangs ultra premium dans un club exclusif pour un prix semi-ultra premium seulement. C'est aussi simple que ça, j'ai pas de sous. Chaque rang vous procure un nouveau titre au sein du club, ainsi que des récompenses uniques telles que des superbes améliorations pour votre ranch, des options de personnalisation exclusives et plus encore. Nous avons hâte de vous avoir dans nos rangs. Ouh. Vous conduit vers l'excellence, une grosse poignée de néobuck à la fois. Bah bien sûr. Ok. Bon. Je pense qu'on va entendre parler de l'autre là, la Mochi machin. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Ok, je pense que ce que je vais faire... Je vais dormir et je vais m'arrêter là, parce que comme dit, là je suis vraiment, vraiment super crevée. Ou alors je m'arrête là et je dormirai la prochaine fois, je ne sais pas. Oh, une peluche, trop bien. Et... Ouais, ouais, parce que là le stream est un petit peu plus court que ce que je fais d'habitude, mais là franchement, je sais plus ce que je raconte. Et ça devient un petit peu difficile. Donc, je vais sauvegarder. Et je reprendrai une prochaine fois sur cette partie. Ouais, je m'arrête là parce que je suis franchement hyper crevée. Et c'est... Je vais plus faire grand chose de toute façon, donc autant ne pas me gâcher le jeu en jouant, en étant complètement dans les vapes, quoi. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire un raid? Il y a Clémence qui fait du Pokémon Platine. Et Cal qui fait du Sea of Thieves. Ouais, fais un petit peu plus, hein, si tu comptes les 5 minutes de... Qui on n'est pas allé depuis longtemps. J'irai bien chez Cald, parce que il m'a déjà raid. Et moi, je l'ai jamais raid, par contre. Ouais, sinon, ouais, Zekets aussi, effectivement. Conan Exiles, je connais pas. Est-ce que je rends l'appareil à Cald et j'irai chez Zekets une autre fois, peut-être? Ouais, je me tâte. Je me tâte. Lounes, t'es chez les deux, toi? Deux viewers, Cald à 5 viewers, ouais. Après, Cal, c'est surtout parce qu'il m'avait déjà raid. Mais ça, en même temps, ça m'empêche pas de passer chez lui pour dire bonjour, hein, c'est vrai. Ouais, allez, on va passer chez Zekets. Je garantis pas que je vais rester, par contre, parce que là... J'irai faire bonjour, et puis après, je vais aller... Allez, go chez Zekets. Je pense qu'il vient d'arriver en live il n'y a pas très longtemps, de toute façon. Ouais, j'ai la pub. T'es plus chez Zekets que Cald. Ouais, comme dit d'un côté, Cald, il m'a déjà raid 2-3 fois. Donc à un moment donné, j'irai le raid quand même. Hein. Je sais pas si je suis déjà passée chez lui. Je me rappelle plus, je crois pas. Je crois lui faire un coucou aussi. Ouais. Bon, j'aimerais bien que la pub s'arrête. Merci Twitch. Faut voir. Où qu'on donc là, il fait quoi, Conan Exiles? Ouais, que je connais pas du tout comme jeu. Ah merde, il faut débrancher. Permettra, donc, mais j'y ferai un coucou. Ouais. Cald, il m'arrête deux fois, ouais. Il me semble, si je me trompe pas. Elles sont là. Après, c'est toujours un peu le souci quand c'est des gens qui me raident, genre moi, ça veut dire qu'ils font leur stream plutôt que moi, donc je peux jamais les raid en retour. Mais bon, c'est pas grave. Je vais lancer le raid chez Zekets et je dirais dire bonjour aux deux. Comme ça, non, tranquille, voilà. Ouais, monsieur, on va faire moite-moite. Ce qui est cool, c'est d'avoir des ressources de chaque. Sky. Une fois sur HK, une fois sur Dead Cell. Ouais, c'est vrai.
En même temps, je fais pas grand chose d'autre de différent à part Ashkai. Le raid va bientôt partir, donc je mets ma scène offline. Je vous dis bonne soirée. Et puis, bah, c'était fun comme jeu. J'essaierai d'en refaire hein, du Slime Rancher. Hein. Allez, bonne soirée. Hein. Pardon. Ouais, tout à fait d'accord. Bon, moi, je vais aller chercher les oreilles. Ah, là, je vais venir.